bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière puisque j'ai décidé, après avoir testé la cure, donc la cure de détox en fait, la Titox Skin Mint, donc c'est le seul thé pour l'instant dont j'ai entendu parler en tout cas, qui est fait une Titox à base de deux thés différents. Donc je vais vous expliquer un peu le principe, je vais vous donner mon ressenti, je vous montrerai une magnifique photo de mon bedon parce qu'effectivement je ne suis pas non plus, je suis pas taille mannequin, je fais pas énormément de sport non plus. Et j'ai toujours eu ce genre de soucis avec un petit bidon qui se voit. Et je voulais tester un peu, voir au niveau du goût, des effets que ça allait faire sur moi, tout ça, puisqu'on entend énormément parler sur les réseaux sociaux, tous les programmes de Titox et notamment le Skin Mint. Donc j'ai fait la cure de 28 jours. Ce n'est absolument pas sponsorisé, je l'ai acheté avec mes petits sous. J'ai décidé de le faire à une occasion où en fait, petite pochette offerte, donc comme j'ai trouvé chou, je me suis dit depuis le temps que je veux la faire, je me décide. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, je vais vous donner les prix, je vais vous donner un petit peu les effets que j'ai ressentis. Je vous montrerai une photo avant après, donc on ne juge pas, je n'ai pas forcément fait la cure dans des conditions idéales, dans le sens où je n'ai pas forcément j'ai respecté, on va dire, mon mode de vie, que le mode de vie que j'avais avant de faire la cure, c'est à dire que je n'ai pas fait plus de sport, je n'ai pas mangé plus équilibré. Je suis quelqu'un qui va manger des repas sains pendant quelques jours et puis d'un coup je vais me faire un craquage, ou je vais craquer sur des biscuits ou sur du chocolat. Je suis quelqu'un de gourmand malheureusement, donc je voulais voir un peu ce que ça allait donner sur moi. Donc je commence par vous présenter un petit peu le principe. Donc c'est une Titox qui se fait sur 28 jours sans forcément avoir un moment adapté pour commencer. Ce que la marque vous demande, c'est de prendre une petite photo de votre bidou avant et une photo de votre bidou après, parce qu'après eux ça leur sert de témoignage pour diffuser votre photo sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est juste qu'après pour vous c'est aussi une façon de voir votre évolution. Donc c'est un thé qui se compose, enfin c'est une cure qui se compose de deux thés différents. Donc le Morning Boost, donc qui se prend tous les matins, donc, ou en tout cas tous les jours, il faut le prendre avant 17h parce qu'il contient de la caféine et du guarana. Et un thé qui s'appelle le Night Cleanse, qui se prend un jour sur deux, donc le soir après le repas. Eux ils disent idéalement après votre dernier repas, et il faut le faire une fois sur deux en commençant le premier jour de votre Titox. Donc le Morning Boost, vous pouvez le boire froid ou chaud, et le Night Cleanse, il est conseillé de le boire chaud. Personnellement, au niveau du goût, ça a un goût de tisane style tilleul menthe et compagnie. Donc après, si vous n'avez pas les infusions de plantes, vous risquez de pas trop apprécier. Le Morning Boost est un petit peu plus universel puisqu'il a un goût de fruits. Donc qu'est-ce que vous recevez dans votre coffret en fait quand vous commandez une Titox? Donc là, à savoir qu'il est plein puisque c'est celui que j'utilise actuellement. Pareil pour celui-ci. Donc vous recevez un petit sachet avec une écriture bleue qui est donc le Night Cleanse. Donc c'est un petit sachet un paquet de 14 sachets de thé, et vous recevez un grand sachet rose de Morning Boost où vous avez donc 28 sachets, celui-ci à boire tous les jours, celui-ci à boire un soir sur deux. Ensuite, au niveau de la forme, ce sont des petits sachets comme les sachets de thé Lipton que vous pouvez trouver en grande surface, ces petits sachets triangulaires comme ça. Ouh là là, qu'est-ce qui sent bon, j'en ai envie mais c'est pas le moment. Vous recevez une petite documentation qui vous explique un peu comment ça marche, comment faire, des petits conseils. Vous voyez, par exemple, il vous conseille d'aller marcher au moins 30 minutes d'exercice par jour. Il vous conseille de préférer tout ce qui est glucides riches en fibres, donc les pâtes complètes, le riz complet ou le pain complet. Il vous donne aussi un petit carnet de route qu'il conseille de démonter sur la porte du frigo. Donc où vous avez d'un côté, vous pouvez lister vos objectifs, donc les objectifs dans 3 mois, dans 28 jours et les objectifs quotidiens. Et une petite liste de choses à cocher. Donc vous avez par exemple de prendre une photo au premier jour, des petits mantras, vous avez des suggestions d'exercices. Pour les indications de l'utilisation, le Morning Boost se fait infuser, donc c'est un sachet
pendant 4 à 5 minutes dans une eau presque bouillante. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai un thermomètre sonde que je mets dans ma bouilloire et du coup ça me permet d'arrêter l'ébullition aux alentours de 85 degrés. Si vous avez envie, ils disent que vous pouvez ajouter du miel ou une tranche de citron. Et on peut le boire avant ou pendant le petit déjeuner. Ça, comme ça contient de la caféine, ils recommandent de le boire avant 17h. Le Night Cleanse se prend un soir sur deux. Vous le faites infuser pendant 2 à 3 minutes dans une eau presque bouillante. Encore une fois, je fais le même principe avec mon thermomètre sonde et 85 degrés. Buvez-le un soir sur deux après votre dernier repas. Et ils préviennent sur le paquet qu'un léger excès laxatif peut apparaître après quelques utilisations ou dès la première si vous êtes sensible. Donc, pour parler du Morning Boost, ils disent que ça peut remplacer le café. Personnellement, je trouve que ça peut remplacer le café justement grâce à la présence de guarana. Je l'ai bu aussi bien froid que chaud, je l'ai trouvé très bon. Ils vous disent même de l'essayer en thé glacé, ça peut être pas mal, mais je ne l'ai pas testé parce qu'il faisait pas suffisamment chaud au moment où je l'ai fait. Il a un super bon goût de fruits. Personnellement, je le prends au moment de mon petit déjeuner. C'est la dernière chose que je prends après mon petit déjeuner. J'ai trouvé qu'il facilitait énormément la digestion, que ça fait bien éliminer parce que du coup, vous vous retrouvez assez souvent aux toilettes. Bon, après, ça, c'est à peu près le cas de tout l'été, mais celui-ci en particulier. Que vous dire de plus ? Ça contient donc des feuilles de thé vert, un mélange d'herbes, donc du maté, donc la nettle, je sais pas ce que c'est, du pissenlit et de la graine de guarana. Et vous avez notamment de l'arôme d'orange, donc ça doit être ça qui donne le bon goût fruité au thé. À savoir que ce thé est fabriqué en Allemagne et que vous le recevez hyper vite. Alors ça n'a pas du tout été le cas pour ma Tetox parce que malheureusement c'est tombé dans un moment où il y avait des perturbations du trafic postal et du coup mon colis est resté bloqué pendant 15 ans à Marseille. Mais effectivement, je vous expliquerai après pourquoi je sais que ça se reçoit très vite. Et au niveau du Night Cleanse, donc ça nettoie les intestins, qui a pour but de nettoyer les intestins, hein, on va dire ça, on va appeler un chat un chat. On est prévenu sur le paquet que ça peut être laxatif. Personnellement, je trouvais que ça avait un goût de tisane. Après, pour les effets ressentis, sur moi, ça n'a pas eu un effet laxatif immédiat. Mais après 2 ou 3 heures avec le Night Cleanse, on voit en fait que forcément, vous commencez à éliminer aussi par les selles. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Et encore une fois, j'ai trouvé que ça favorisait la digestion. Je vais maintenant vous parler des effets que j'ai ressentis personnellement au-delà de ce qui est montré au-delà de ce qui est décrit sur le produit. Donc j'ai trouvé que ça a aidé à l'élimination et au transit. J'ai vu assez rapidement que ça m'avait supprimé l'effet ventre gonflé ou lourd après les repas. J'ai beaucoup aimé le goût des deux avec une préférence pour le Morning Boost, même si j'ai bien aimé et que j'aime beaucoup le Night Cleanse. Ça a un goût de tisane, donc on va dire que ça n'a rien d'original, mais le Morning Boost, j'ai trouvé ça assez original. Le Morning Boost peut remplacer le café justement grâce à la présence du guarana, et justement il est conseillé normalement pendant cette detox d'arrêter le café. Le Night Cleanse facilite la digestion et le sommeil ainsi que le transit, et le Morning Boost agit aussi sur tout ce qui est digestion et élimination. Après, moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de faire cette detox au moment où vous vous remettez à faire du sport, au moment où vous faites un rééquilibrage alimentaire, au moment où vous faites un changement de régime alimentaire, justement parce que ça aura un effet, ça ne pourra que vous aider et ça aura vraiment un effet bénéfique sur votre changement alimentaire. Personnellement, ça n'a pas eu un effet flagrant sur moi puisque je n'ai pas fait plus de sport et je n'ai pas fait attention plus que ça à mon alimentation.
mais mon ventre était quand même beaucoup moins gonflé, enfin en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Et à savoir que celui-ci, donc le Night Cleanse, n'est pas conseillé à utiliser toute l'année, il est conseillé d'utiliser uniquement en cure, alors que le Morning Boost, on peut continuer à l'utiliser et à le boire tous les matins. Donc c'est ce que j'ai fait, et je me suis commandé de nouveaux sachets de Morning Boost, parce que j'aime énormément le goût qu'il a, et j'aime beaucoup aussi l'effet qu'il a, justement parce que ça me permet de me passer de café. Il m'arrive encore d'en boire par pur plaisir, parce que j'aime le goût du café, mais pour l'effet, on va dire, le côté boostant du café, c'est vrai que le Morning Boost est très bien à ce niveau-là. Je vous laisserai en barre d'infos le lien vers le site. N'hésitez surtout pas à faire un tour sur internet. Vous pourrez toujours trouver un petit code promo pour avoir moins 20% ou un petit cadeau en plus. A savoir que la livraison est gratuite dans le monde entier. Et justement, comme je vous disais, moi ça a mis pas mal de temps à arriver pour la première TikTok, enfin pour ma première commande. Mais ça, en 2 jours, il était à la maison. Donc j'ai été super étonnée, étant donné que voilà, la première fois, ça avait mis 15 ans à arriver. Mais voilà. Pour ce qui est des prix, alors la Titox, sans réduction en particulier, fait 39,90€, en fait, la Titox de 28 jours. Le Bestie Stack, donc à savoir 2 Titox à acheter d'un coup, est à 64,90€ au lieu de 79,80€. Le starter pack, c'est quand vous n'avez pas envie de vous lancer sur une cure de 28 jours, c'est 14 jours. Donc vous avez 14 sachets de Morning Boost et 7 sachets de Night Cleanse. Donc ça vous fait 24,90€. Vous pouvez commander un sachet de Morning Boost pour 19,90€ et un sachet de Night Cleanse pour 18,90€. Donc dans un sachet de Morning Boost, je vous rappelle, 28 sachets. Dans un paquet de Night Cleanse, 14 sachets. Donc, et de temps en temps, ils vous font des offres où vous pouvez commander 2 sachets de Morning Boost d'un coup. Donc c'est ce que j'avais fait, et j'avais dû le payer dans les 23, entre 23 et 26€. Quelque chose comme ça, frais de port offert dans le monde entier. Voilà, j'arrête de blablater, je vous aurais mis des petites photos au début de la vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu et qui aura pu vous être utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. N'hésitez pas, si vous avez déjà effectué la cure, à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à me donner vos avis en règle générale sur les TikTok. Si vous en avez testé d'autres, ou si vous avez testé celle-ci et d'autres que vous avez pu comparer, n'hésitez pas à me le dire. Et n'oubliez pas de faire un tour sur le blog, il y aura ma wishlist du mois de juillet qui sera en ligne dans les fiches et en barre d'infos. Si vous vous posez des questions sur le maquillage que je porte, c'est listé en barre d'infos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et Pinterest, ce sera listé en barre d'infos. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !